Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobaguru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans The Elder Scrolls Online. Et aujourd'hui, c'est une vidéo pour parler du jeu, pour parler de beaucoup de choses. J'ai atteint le niveau 50. Qui est le niveau maxi du jeu. C'est le niveau qui nous a donné les points de caractéristiques. Ces points de caractéristiques que l'on assigne en magie, en santé ou en vigueur. J'ai fait une assignation comme je l'ai senti. Je serai toujours à temps d'utiliser un parchemin pour remettre ça à zéro à partir du moment où j'aurai un équipement de fin de jeu. Qui n'est pas le cas pour le moment. Et vous allez me dire, quand on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le système champion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va gagner de l'expérience, on va gagner un point de champion. Dans la barre qui se situe en haut de l'écran, on a une nouvelle icône qui est apparue, l'icône champion, qui correspond à un arbre de compétences particulier. C'est ce qui différencie The Elder Scrolls Online de la majorité, de la quasi-totalité des autres MMORPG. C'est-à-dire que on n'a pas proprement parlé d'arbre de compétences jusqu'à 50. On a l'assignation des points en santé, magie ou vigueur, selon ce que si on veut être un tank, un magicien ou un combattant plutôt vigueur. Vous voyez ? Détermine combien de compétences consomment de la vigueur. Vous pouvez utiliser leur efficacité, le sprint, le blocage, coup de bouclier, furtivité, roulé-boulet, libération, etc. Consomme de la vigueur, etc. Et on avait les compétences. Qui sont des compétences de classe, d'armes, d'armure, de magie des âmes, escroquerie, de guilde, confrérie noire, guerrier, mage, voleur, des compétences culturelles, donc la race qu'on en a choisi dans le jeu, et des compétences d'artisanat. Mais ce n'est pas un arbre de compétences à proprement parler. C'est pas un arbre comme dans Star Wars The Old Republic, même dans Star Trek Online, on a un arbre de compétences tactique, ingénieur, scientifique. Ici, non. L'arbre de compétences, à proprement parler, va se débloquer donc à partir du niveau 50, où on va commencer à gagner des points de champion. Et on va assigner ces points de champion. Donc vous voyez, on a la partie verte, la partie rouge et la partie bleue. L'avantage de ce système, c'est que ces points de champion que l'on gagne sur un personnage sont accessibles au compte. Donc, vous allez commencer un autre personnage de niveau 0 et vous pourrez déjà utiliser les points de champion que vous avez gagnés sur votre personnage principal. Et je peux vous assurer que ça fait une différence énorme parce que on gagne beaucoup de choses. Le niveau maxi aujourd'hui est de 820. Ce qui fait à peu près, puisqu'on est, on a 3 parties. Ça fait à peu près un peu plus de 270 points dans chaque section. On commence ici avec la constellation du guerrier. Donc vous voyez, le seigneur, la dame ou le destrier. Donc vous êtes libre de mettre des points où vous voulez. Ici, par exemple, on va avoir peau dure qui va réduire les dégâts. Défenseur réduit les dégâts magiques. Robuste réduit les dégâts de poison. Spécialisation armure légère. Vous pouvez le voir, ici, on a spécialisation armure moyenne, bouclier anti-sort, et donc, dans le seigneur, la spécialisation armure lourde, expertise de la défense, c'est plus le côté tank. La constellation du voleur, la tour, l'amant ou l'ombre. Donc, dans l'ombre, on va avoir la garde, pour réduire l'écoute pour le blocage, l'acrobatie. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de roulé-boulé pour éviter les esquives, etc., vous aurez besoin de points. Et l'amant, avec l'augmentation de la récupération de vigueur, l'augmentation de la magie, l'augmentation de la santé, ou la quantité de magie et de vigueur que rendent les attaques lourdes. Et la dernière partie, qui est la constellation du mage, l'apprenti, l'astronaut ou le rituel. Donc, dans l'apprenti, on a expertise alimentaire, érosion, augmente la pénétration magique, augmente les dégâts de feu, froid, foudre et magique, augmente les dégâts et soins des coups critiques,
augmente les soins prodigués. Influence du mage, l'astronome augmente votre magie, augmente vos expertises avec les armes. Et ici, augmente les dégâts. Dégâts et soins, coup critique. Augmente la pénétration physique, augmente les dégâts physiques de poison et de maladie que vous infligez. Voilà, bon. On va gagner des points régulièrement et assez facilement, je vous le dis de suite. Et vous allez me dire, ici, ah ici c'est terminé, on gagne plus de points. Mais ça n'empêche pas, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qu'on peut remodifier tout ça. Par contre, les points de compétences, on n'en gagne plus non plus, ou très rarement. Et c'est là où on attaque. C'est pas une astuce. Un petit peu quand même. On attaque un point important du jeu, c'est de la collecte des éclats célestes. 3 éclats célestes vous donnent un point de compétence. Vous pouvez le voir, j'ai débloqué pas mal de skills actifs et passifs. Donc la lance aédrique, le courroux de l'aube, j'en ai 4. Plus toutes. Vous voyez, les compétences passives sont toutes débloquées. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 2, 4, 6, 8 points. 9, 10, 11, 12, 13 points ici. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, j'en ai débloqué un second. Qui est intéressant et j'en ai un complet et un ici. Au niveau des armes, les armes à deux mains, j'ai tout débloqué. Il n'y a que le suivi en fait, j'ai pas tout débloqué. Il n'y a que le suivi que j'ai pas mis parce que les suivis c'est pour les attaques complètement chargées. Et je vous avoue que je l'utilise pas beaucoup beaucoup. Une main et un bouclier, il m'en reste encore à débloquer. Celui-là, il faudra que j'atteigne le niveau 50. 2 armes, j'en avais débloqué un petit peu, mais pour le moment, je m'en sers plus. J'ai monté l'arc, donc j'ai débloqué pas mal de compétences au niveau de l'arc. Pareil, j'ai débloqué pas mal de compétences au niveau des armures. Donc tout ça, ça coûte des points de compétences. Et ces points de compétences, il faut les récupérer avec la recherche des éclats. Les éclats célestes. Vous voyez que j'en ai un sur 3. Ouais, mais tu fais comment? Parce que moi, je suis paumé, là. J'y comprends rien du tout. Je sais pas où les chercher. Alors, en premier lieu, on vient dans le journal. L'onglet sec succès. On va prendre son personnage et on va venir sur éclat céleste. Havre tempête, j'ai trouvé tous les éclats célestes. Il y en avait 16. Fin de retour, j'ai les 16. Bancorail, j'ai les 16. Glenumbri, j'ai les 16. Betnik, les 3 et Strossemkai aussi. Strossemkai est l'endroit où j'ai choisi d'apparaître en jeu puisque je suis membre de l'alliance de Dagfilant. Betnik était ici. Ensuite on est arrivé à la Glenumbri, puis j'ai commencé à faire des recherches, à passer toutes les quêtes en revue. Donc, fin de retour, Havre Tempête, Bancorail. D'accord? Et vous voyez qu'on a beaucoup d'autres lieux d'ouverts, mais pour le moment, je suis ici. Je suis à Vrosgar, qui est aussi appelé Orsinium. C'est pour ça qu'on avait du mal à le trouver. Et en fait, là-dedans, il n'y est pas. Ouais, mais pourquoi il n'y est pas? Et voilà. Alors là, c'est la difficulté du jeu. C'est un truc que j'ai trouvé qui n'était pas facile à trouver. En fait, il faut défiler. Parce que moi, dans mon jeu, Orsinium fait partie donc des extensions et je l'ai. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ai. Et en fait, c'est dans les explorations qu'il faut chercher. Voilà. Trouver les 17 éclats célestes. Donc, je l'ouvre, je le mets en sorte de surbrillance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ouvrirai mon journal sur les succès, j'aurai ma page ouverte. Et il me dit qu'il y en a 17 à chercher. Vous voyez qu'il m'en reste plus que 1, 2, 3, 4. Donc, entouré d'argent. Ouais, mais c'est où? Alors, ça, pour les chercher, je vous donnerai une astuce. C'est pas de la triche, hein, mais il existe déjà des cartes sur Internet. Dans lesquels on a les lieux, c'est des solus, hein.
Certaines, moi, je les ai trouvées en jouant, en faisant les donjons, mais il y en a d'autres où des fois on cherche et on trouve pas. Donc, bah, en utilisant la carte, on le trouve facilement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est la 12e qu'il me faut. Alors, je vous donne une petite astuce. Vous voyez, j'ai zoomé sur ma carte, hein, sur la carte du jeu. Et en faisant passer doucement ma souris, eh bien, vous allez trouver. Il faut que j'aille faire le donjon, argent mine, pour trouver l'éclat céleste qui est dans le donjon. Celui qui avait là, je l'ai récupéré. Vous voyez qu'il y en aura un autre dans ce donjon. Que je n'ai pas encore fait. Là, j'ai un point d'intérêt à aller voir pour récupérer de l'expérience. J'ai encore ce donjon là, donc ça me fait un troisième éclat à aller chercher. Le quatrième. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Deuxième astuce dont je veux vous parler aujourd'hui. Un petit peu sur le crafting. Mais un petit peu parce que je suis loin d'être à un niveau suffisamment important. Donc, l'artisanat se divise en 6 catégories. L'alchimie, la couture, la cuisine, l'enchantement, la forge et le travail du bois. En fait, il y en a un 7e qui est la joaillerie, mais la joaillerie dépend de Somerset. Somerset que je n'ai point. Oui, Somerset est là, mais il faut l'acheter. En fait, j'ai pas tout, hein. C'est pas parce qu'ils apparaissent là que je les ai. Hein. Il faut venir dans la boutique. Pack de jeux téléchargeables. Et vous voyez ce qui est grisé, c'est que en général, on les a déjà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et par contre, Somerset et le nouveau Hercynium, c'est même plus. Elsewhere, voilà, c'est ça. Il faut mettre Somerset Elsewhere qui est le nouveau qui va sortir au mois de juin. Ce sont des choses qu'il faut acheter. Bon. Je reviens à ça. Donc on a dit 6 catégories. Ça fonctionne exactement comme le reste. Vous gagnez des points de compétence. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ces éclats célestes. Et vous devez assigner des points. Si vous voulez faire de l'alchimie, vous devez monter votre niveau de maîtrise des solvants au niveau 8. Si vous voulez faire de la culture, c'est au niveau 10. La cuisine, niveau 4. L'enchantement, niveau 4. Non, niveau 10. Donc on a dit 8, 18. C'est 6, 24. Plus 10, 34. Plus 10, 44. Plus 10, 54 points de compétences nécessaires simplement pour monter au niveau 10. Et c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ensuite, il vous faudra, pour collecter les ressources, mettre des points dans l'observation. Observation du minerai. Le minerai dans le monde sera plus facile à voir lorsque vous serez à 20 mètres ou moins. Celui-là, c'est pas obligé, mais c'est un truc, une compétence qui est intéressante. Un fournisseur vous enverra du minerai, peut-être d'autres objets, chaque jour. Extraction du métal augmente les chances d'extraire des ingrédients de forge et augmente la qualité des trempes obtenues par cette extraction. Et oui, c'est important parce que les objets... Alors... Et ça, c'est les trempes. C'est-à-dire que si vous craftez un objet, il sera blanc. Vous allez utiliser une pierre affûtée pour le passer à vert. Puis de l'huile d'OMR au niveau de la forge pour le passer à bleu. Puis de l'acide pour le passer à épique. Et ensuite, il vous faudra l'objet
la trempe jaune pour le passer à légendaire. Par exemple, tu as épique à légendaire, il faut de la cire de drogue au niveau de la couture. Il faut de la résine pour le travail du bois. Cela, on les trouve de temps en temps dans un coffre. Mais l'idée, c'est aussi de démonter les armes pour essayer de les récupérer. Mais il faut avoir aussi mis 3 points au niveau de l'extraction pour avoir un peu plus de chance. Augmente les chances d'améliorer les objets avec la trempe. Là aussi, il va vous falloir 3 points. Donc ça fait beaucoup de points de compétence. Et un point qui est important, c'est celui-ci. Métallurgie pour la forge, charpente pour le bois, surpiqûre. Réduit le temps de recherche de 5% et permet de mener 2 recherches en même temps. Mais de quoi tu parles? Lorsqu'on ouvre un atelier, peu importe soit-il, on a la première partie qui est le raffinage. J'ai collecté des ressources, soit directement en coupant du bois, en piochant du minerai, soit dans un coffre, peu importe. Ça nous fait monter légèrement le travail. Ensuite, on a la création, la fabrication d'un objet, arme ou vêtement. Vous le voyez, je ne suis qu'au niveau 3 pour le moment, donc je pourrais fabriquer des objets de niveau 26, mais je m'en fous complètement puisque je suis 50. Il va me falloir passer requiert travail du bois numéro 8. Et je vous ai montré qu'il y a 2 niveaux de plus. Pareil pour les vêtements. Les vêtements, dans ce cas-là, au niveau du bois, c'est le bouclier. Ça, c'est la création. On a le démontage. J'ai un bâton, je ne me sers pas du bâton, je le mets ici, je le démonte et je récupère des objets. Des ressources, un objet qui va me permettre un objet de style et vous avez vu, j'ai récupéré une trempe. On a l'amélioration. Si je veux améliorer mon arc, le jeu me demande 20 résines. Vous voyez bien, c'est pas 10, c'est pas 5, c'est 20. C'est énorme. Et on a la recherche. La recherche, c'est quoi? Lorsqu'on va crafter des objets au niveau maximum, on va pouvoir être capable de fabriquer des sets complets. Et tu fais comment? Lorsqu'on se balade dans le monde, on va tomber sur ces icônes. Ce sont des forges. Il faut les découvrir. Et ces forges font partie de cette épreuve du feu. Ce set va ajouter de la santé maximale, de la résistance au sort, des soins reçus. Et lorsqu'on subit des dégâts élémentaires, on gagne 7000 de résistance à cet élément pendant 4 secondes. La loi de Julianos, c'est un set. 5 objets. Et vous voyez, il demande 6 traits. Ajoute de la critique maximale, de la magie maximale, critique magie, dégâts des sorts. Et il y en a de partout. Il y en a une autre ici. Le 7 Morkuldin. 9 traits sont nécessaires pour pouvoir le débloquer et le fabriquer. Le sentier des sols, 6 traits. Le regard de la mer de la nuit, 6 traits. Vous voyez, c'est impressionnant. On va pouvoir fabriquer des sets complets, mais ça va prendre énormément, énormément, énormément de temps. Et on fonctionne comment? La rage de Ending Set. Ben, ces traits, donc, ça fonctionne ici. Vous voyez, là, sur l'arc, j'en ai débloqué 1, 2, 3, 4. Sauf que le premier trait, alors je vais aller sur la forge pour vous montrer, parce que je dois avoir terminé ce que je faisais. 0 trait à rechercher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas récupéré dans mon inventaire d'objet, d'arme qui a cette icône recherche possible et qui correspond à des traits disponibles. 0. Par contre, j'ai 2 épées longues.
qui ont le trait 1 défenseur et celle-ci entraînement. Je suis obligé de passer par ça si je veux fabriquer des 7. Et vous voyez, j'ai deux recherches possibles. Pourquoi ? Parce que dans la forge, j'ai débloqué la métallurgie. Si vous avez envie d'axer la recherche, de toute façon, il faut la faire. Mais si vous voulez axer, par exemple, sur la forge, ben vous mettez 4 points ici. Ça va vous permettre de mener 4 ou 5 recherches en même temps. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, comment ça se passe ? Épée longue. Augmente la résistance physique. Là, bon, ce sont des traits. Même si on ne s'en sert pas au moment de la fabrication, mais je pense que ce sera nécessaire, il faut le faire. Donc, on clique et on va rechercher le trait. Attention, les recherches détruisent l'objet. Si vous avez besoin d'or, vendez plutôt vos objets. Si vous n'avez pas besoin d'or, ben balancez, attaquez là-dessus parce que c'est important. Voilà. La recherche est partie pour 10 heures. Pourquoi pour 10 heures ? Sur la hache à une main, je n'ai pas encore fait de recherche. Mon premier va prendre 5h07. Ici, j'ai déjà une recherche. Ce qui veut dire que le deuxième va prendre 10h15, le double. Puis, ça va prendre 20h31, le double. Vous voyez ? Puisqu'ici, j'en ai déjà deux. Donc, pour mon troisième recherche, ça me prendra 20h. Vous imaginez un petit peu, il faut attendre 3 jours pour que le trait soit... Oui, c'est horribilis. C'est vraiment énorme. Donc, je vais mettre une épée. Voilà, vous voyez, ici, j'en ai deux. Donc, je vais prendre celle-là. J'ai attaqué donc le défenseur. Et on va démonter celle qui a le défenseur. Voilà, épée une main. Voilà, bon, j'irai pas gagner grand-chose. Tant pis, c'est comme ça. Voilà, hein, donc c'était une courte vidéo aujourd'hui pour vous montrer ça. Allez, je vais juste faire une chose. Je vais couper. Je vais aller chercher 2 éclats. Donc je vais aller faire des donjons. Je ne vais pas les enregistrer. Et pour vous montrer mon gain, mon prochain gain de points de compétence. Voilà, j'ai donc terminé tous les donjons. J'ai cherché et j'ai récupéré. Voilà. J'ai donc les 17 éclats. Ce qui fait que j'avais récupéré un point de compétence plus 2. Puisqu'il en faut 3. C'est-à-dire que les régions en ayant 16 ou 17, vous êtes sûr d'en récupérer 5 points de compétence par région. Ce qui est vraiment très très bien. Et en plus de ça, vu que en faisant tous ces donjons, on passe régulièrement à côté de boss du monde. Eh bien, j'en ai éliminé 2. En me joignant à des groupes qui étaient sur le point de commencer ou en train de le faire. Et ce qui fait que je suis champion 128. J'ai gagné 2 niveaux et demi, presque 3 niveaux. Voilà. C'était donc une petite vidéo sur... Petite, elle fait 20 minutes, mais une vidéo sur The Elder Scrolls Online pour si vous arrivez au niveau 50 et que vous savez pas trop comment faire, je vous avoue que j'ai tâtonné aussi. Donc moi, ce que j'ai continué à faire, c'est de me cibler les éclats pour récupérer des points de compétence, explorer toutes les régions en faisant toutes les quêtes, en faisant tous les donjons, toutes les quêtes secondaires, puisque on n'a plus de quête principale à proprement parler, mais on a une quête principale de région, mais à chaque fois qu'on arrive à un coin, eh ben, on fait la quête. Hein, vous voyez, j'ai fait même les donjons, mais c'est comme ça qu'on monte ses points de champion et qu'on continue de gagner des points de compétences pour débloquer de nouvelles compétences, justement, de nouveaux skills, et permettre d'étoffer son personnage et de le façonner comme on le veut. Et c'est ça que j'aime énormément dans The Elder Scrolls Online, c'est qu'on n'est pas enfermé dans un carcan comme dans d'autres jeux où c'est de plus en plus le cas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut, bye bye.